Allô, comment ça va? Ça va bien. Eh, hey, tu sais, toi, t'es une grosse. Oh non! Oh non! Je t'ai dans mon cœur. Attends, je raccroche, je dois aller me rattraper auprès de Dieu là. Il faut que je prie. Il faut que je prie 1 heure là, sinon il va pas me pardonner. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi car j'ai haï quelqu'un dans mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu vois, je prie. Je prie devant toi, là, ça fait 1 heure que je prie. Ça fait 1 heure que je prie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah, c'est bon? Ah, ça fait 1 heure, c'est bon. Dieu a dû me pardonner maintenant. Ça fait du bien. Je suis content, moi, là, ça fait depuis 3 jours que j'ai pas péché. 3 jours entiers où j'ai pas péché. Ah, c'est que ça fait du bien, je suis trop fort. Oh non. Oh non. Mais attends, c'est de l'orgueil? Je suis en train de pécher? Oh non! Je vais jamais m'en sortir, j'en ai marre. À chaque fois que je pêche, j'en ai marre. Même quand je pêche pas, je trouve le moyen de pécher! Donc là, pour le péché que je viens de commettre, il faut que je jeûne 4 jours. Que je prie 3 heures, que j'évangélise pendant 8 heures. Puis sinon Dieu va m'envoyer en enfer là si je fais pas ça. Bon, je pense que le quota sera bon si je fais tout ça. Vous allez pas y croire. J'ai essayé de jeûner 4 jours. J'ai pas tenu une journée. Oh là là, j'en peux plus. C'est. Dieu ne pardonnera jamais ça. Je dis que je jeûnerai 4 jours, j'ai fait serment. Et là, j'ai transgressé ça. Qu'est-ce que je dois faire pour être pardonné? Quoi, demain, je devrais jeûner alors. Enfin, je devrais commencer un jeûne de 10 jours. Peut-être qu'avec ça, ce sera bon. Oh là là. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un songe, donne-moi un songe, donne-moi une révélation. Là, je vais dormir et j'ai envie d'être rassuré. Donc, s'il te plaît, révèle-toi à moi en rêve, pour que tu me prouves que tu es toujours avec moi, pour que tu me prouves que tu m'aimes encore. S'il te plaît, Seigneur, révèle-toi à moi de manière palpable, afin que je sois sûr que tu es toujours avec moi. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait depuis 4 jours, là, j'ai pas de songe. J'ai rien. J'ai aucun songe. Et j'ai repêché hier, j'ai eu des pensées impures. Qu'est-ce que je dois faire? Je sens que Dieu m'aime plus. Je sens qu'il m'a abandonné définitivement, là. Peut-être que ceux qui disent qu'on est sauvé par grâce ont raison. J'ai beau tout essayer pour atteindre le ciel par mes œuvres, j'y arrive pas. À chaque fois, je pêche. À chaque fois, je me décourage. À chaque fois, je sais même pas si Dieu m'aime ou pas. Je sais même pas si j'ai fait assez de bonnes œuvres ou pas. En fait, ceux qui croient être sauvés par grâce avaient raison. On peut être sauvé que inconditionnellement. Nous-mêmes, on est trop mauvais. On ne peut pas nous sauver par nous-mêmes. On peut pas être sauvé par nos œuvres. C'est pas possible. C'est pas possible. On est trop imprégné par le mal. Seul Jésus nous sauve. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir cru que je pouvais me sauver par moi-même. Je m'en remets à ta grâce, Seigneur. Entièrement à ta grâce.